Salut tout le monde, bon mercredi matin, bienvenue à nos mercredis express. Aujourd'hui, on vous présente nos nouveautés qu'on a eues dans les chaussures. Le temps des fêtes arrive, donc on a des souliers peut-être un petit peu plus chic, plus sexy, mais qui se portent aussi bien avec des looks plus jeans. Donc, Nadia et moi, aujourd'hui, on est en jeans. Par contre, vous allez remarquer que les bottes peuvent être vraiment portées aussi avec des robes. Alors, il y en a quelques-unes, c'est des repeats et beaucoup de nouveautés à travers ça. On vous présente aussi des sacs à main à la fin du vidéo. Évidemment, on s'est habillé, donc un tricot ici dans nos nouveautés qu'on a également dans le noir, super beau. J'ai mis une blouse en dessous pour donner un look différent. Je suis allée dans un jeans un petit peu plus étroit pour les besoins de la cause pour nos bottes. Mais c'est fun aussi des fois d'avoir un jean étroit dans notre garde-robe, on vous le dit. Les nouveaux modèles de jeans sont un petit peu plus larges, mais il n'y a aucun problème à avoir encore des skinny. À la limite, ça se porte bien avec certains modèles de chaussures. Je commence, je suis allée vers un modèle un petit peu plus funky, dans le rose, un peu un look croco. Peut-être m'amener le modèle. Ouais. Je vais vous le montrer de plus proche à l'écran. Elle est magnifique, hyper confortable. Je porte la rose. Vous allez voir la noire dans deux petites secondes. Alors, je vous montre la rose. Regardez le détail. À porter, là, je suis en gris, blanc, jeans et rose. Vous n'avez pas besoin d'avoir du rose dans votre kit ou les couleurs de bottes qu'on va vous présenter pour les porter. À la limite, on trouve ça plus fun d'avoir le point focal sur votre chaussure puis le reste est complètement d'une autre couleur. Ça fait beau, ça fait sharp puis vous pouvez vraiment vous le permettre. Alors, voici la rose. C'est une botte à 99 $. Vraiment, je trouve pour le look, un look incroyable pour vraiment pas cher. Et on l'a dans le noir. Alors, tu viens-tu montrer ton nom? Je vais aller changer de modèle. Et puis, je te laisse cela. J'avais l'air embarrassée avec. Je vais la garder dans mes mains. Allô tout le monde, bon mercredi. Alors, voici la noire. Tout aussi belle, plus sobre, et évidemment. J'ai volontairement roulé un de mes côtés de jeans. Puis l'autre, je l'ai laissé droit pour vous montrer les deux looks que ça fait. Les deux sont intéressants, un petit peu plus funky, plus sport, puis l'autre plus classique. Puis la blouse que je porte, que j'aime beaucoup, elle avec la manchure large, le détail aussi avec la bordure plus basse sur l'épaule, le nœud, qu'on peut aussi rentrer à l'intérieur du jeans et mettre une ceinture si on veut. Ma blouse, elle est à... Il me semble que j'avais checké, mais là, OK, c'est ça, 109. J'avais peur de me mélanger avec le prix de la botte qui était à 99. Donc, ma blouse, elle est taille unique, elle est à 109 $. Et la botte, dans le noir et le rose, est à 99. Je reviens. Je suis venue mettre une botte qui est comme finie avec un bas. Fait que c'est comme une chaussure derby qu'on appelle, avec boucle sur le dessus. Hyper confortable. J'ai porté de deux façons. Quand c'est une botte qui est comme plus fermée comme ça, vous pouvez mettre en dessous de votre jeans. Surtout les jeans taille plus mums ou flare, ça rentre bien en dessous. Skinny, là, rentre bien parce que j'ai pas un skinny super skinny là, à la cheville. Ou vous venez le rouler comme ça au-dessus, ça fait intéressant des deux façons. Je vais maintenant enlever une pour vous le montrer de plus près. Vraiment intéressant. Semelle compensée. Vraiment une faute. Nad, j'ai oublié de regarder mon prix. Je suis désolée. Elle est à 99. 99, gros coup de cœur pour nous. Là, c'est fait vraiment différent. Ultra confortable. Vous voyez, là, c'est comme si elle n'avait pas de talon. Il y a un talon, mais c'est vraiment comme s'il n'y avait pas de talon. Alors, voici, je vais aller me mettre une autre chaussure. J'ai oublié. Bien, on a oublié de vous dire, par rapport aux grandeurs, on le fait toujours habituellement. La botte à talons dans le rose et noir, moi et Alex, on porte 39. C'était la bonne grandeur. Vous pouvez prendre votre grandeur habituelle. Celle que je porte en ce moment, c'est aussi un look derbies avec le bas, mais pas le look soulier avec... c'est un autre style. Cuir verni ici. Fait que même, c'est pas une botte d'extérieur, mais à ce temps-ci, ça peut être un modèle très pratique. J'ai encore une fois gardé... un modèle, un côté roulé avec la botte plus haute, le bas levé. Puis ici, j'ai fait l'inverse. J'ai plié le bas avec mon jeans plus long. Donc, tous les modèles comme ça avec le bas qui ressortent peuvent se porter de deux façons, que la botte soit haute ou courte. On va vous en montrer d'autres tout à l'heure. Elle est à 109 $, celle-là. Et on l'a seulement dans le noir. Elle est faite plus grande. Je pense que je pourrais prendre 38 dans ce modèle-là. Elle est plus large et plus grande. On continue. Tu mettras... Je vais mettre... OK.
Là, je vous présente une botte qu'on vient d'avoir en repeat, une botte qui a vraiment été appréciée, une botte plus pointue encore une fois, qui est comme toute dans un tissu bas. Donc, ultra confortable, j'ai la 39 dans mes pieds, c'est ma bonne grandeur. Donc, je vous dirais que j'ai un 8,5 là, dans les points avec les demi, donc les 39 dans ça, c'est parfait. On les a dans le vert. Nadia s'en vient. En attendant, je vais la montrer. Je vais l'enlever. Ah, OK. Parfait. Bon, vous allez me voir pas assise en talon. Bon, j'ai ça. Regardez. Vous voyez le tissu? Ça fait vraiment intéressant. Donc, le talon est quand même haut, mais on sent pas vraiment le... On se sent pas penché du tout. On est vraiment confortable. Oui, donc, très confortable. Je l'ai mis aussi dans... Ben, je sais qu'on les voit bien fait comme ça, oui, quand on les montre plus près. C'est un vert sapin qui est très tendance en ce moment. D'ailleurs, dans nos nouveautés qu'on a reçues cette semaine et la semaine dernière, on en a beaucoup. Alors, je me recule un petit peu pour vous le montrer. Encore une fois, ça se porte avec du plus court qu'on fait arriver à la fin, à la hauteur maximale de la botte. Ou mettre notre pantalon par-dessus, vu que c'est étroit sur la jambe. Et encore une fois, c'est un bas. Alors, on peut s'amuser avec les longueurs et les plier. Je suis essoufflée, mais Alex n'est pas prête. On va prendre une pause. Bon, je suis là. OK, tu parles avec l'autre verte, oui, qui est ça. Vraiment cool. J'ai été pour l'autre verte, qui est le fun, un peu le même tissu croco qu'on vous a montré dans le rose et le noir. Je voulais vous la présenter parce que je vais me changer pour vous montrer des bottes hautes. Je voulais vous la présenter avec une jupe, mais je trouve ça tellement beau avec des jeans que je voulais vous aussi vous la présenter avec ça. Alors, elle est à 119. Oui. 119, je porte la 39 également. Elle est parfaite pour moi, la grandeur. Donc, des fois, je suis 39, des fois, je suis 40. Donc, ils sont quand même faites plus grandes. Oui, ils sont plus grandes, ceux-là. Oui, ben non, mais c'est, je veux dire, celle qui porte de 8,5, c'est vraiment la 39. Celle qui porte du 9, 9,5, là, ça va être la 40. Alors, voici pour le vert. J'adore cette couleur. T'avais-tu dit le prix de la botte bas qu'on vient de mettre? Oui. OK, c'est ça. Moi, je l'avais pas dit. Là, en te demandant ça, veux-tu me vérifier celle de la beige que j'ai pas amenée pour vous la montrer? Ça, c'est un repeat. Des pantoufles, les filles. Des pantoufles. On capote. C'est vraiment un modèle vraiment cool. Elle est très compensée. Là, on s'entend que le talon est haut, mais c'est quasiment comme une flat. À la limite, là, je vous le dis, je porte des orthèses et je peux les mettre dedans tellement que c'est flat et très, 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 très confortable. Je mets l'emphase. 109, OK, merci. 109, c'est la 39, c'est ma grandeur. Elle est parfaite. Puis, elle se porte autant sport que chic, même si c'est une botte qui est plus massive un petit peu. Mais malgré le fait qu'elle ait la grosse semelle, quand que je la regarde du dessus, elle n'est pas large. Fait qu'elle fait pas un look gros pied, fait qu'avec une robe, ça fait vraiment le fun. T'as aimé mon expression look gros pied, Alex? Oui. Je l'entends rire l'autre bord de moi. T'as-tu de la misère? Non. OK, c'est bon. Elle s'en vient, ça sera pas long. Puis, tous les modèles qu'on vous montre ici, là, avec l'élastique, ils n'ont pas de fermeture éclair, mais elle est très facile à enfiler. Elle n'est pas trop étroite ici au niveau de la cheville. Puis, encore, là, j'aurais dû rouler mon autre jeans pour vous montrer. J'aurais pu faire juste un petit turn-up mince comme ça, parce que j'avais pas remarqué, ça faisait pas beau. Ou plus court. Bon, je suis prête à que je fasse la jupe. Là, je suis désolée, je voulais vous mettre une jupe pour vous montrer les bottes hautes. Celle-ci, c'est un peu le même principe que celle en bas qu'on vous a montré en vert et en noir. Elle est comme ça, fait que le cuir à l'avant, à l'arrière, et c'est le bas comme ça. Elle est là, avec moi, je me suis changée, elle est à 119, tu peux-tu me le vérifier? Je pense qu'elle est à 119. C'est-tu ça, Nan? 109. Elle est à 109 et vous pouvez faire la même chose. Tu sais, la rentrée en dessous de vos jeans, vos pantalons, ça rentre super bien. Là, j'ai vraiment mis la jupe pour vous la montrer avec des robes aussi qui s'en viennent. Ça va être super beau. Alors, voici, très, très confort. Le fun, c'est léger. C'est pas des bottes, là. Tu sais, on a eu aussi les tendances à bottes très lourdes, là. On n'est pas là-dedans, hein? On est dans c'est tout léger, c'est vraiment, vraiment confortable. Bon, mais Nadia est prête, je m'en vais mettre ma dernière paire de bottes et après on vous parle de sac à main. J'arrête la prendre pour mieux la montrer, surtout dans les noirs, des fois on voit moins les détails. Celle-ci est à 99 $, super confortable, bottillon plus court en suédine. Puis il y a un détail aussi, il y a comme un petit cordon ici qui fait le tour de la semelle. Là, c'est la première fois que je me mets dans les pieds. Je vous le dis, je suis très bien. J'ai le coup des gardés aujourd'hui. Alors, c'est un
classique, la petite botte comme ça, vraiment génial, un passe-partout, puis ben c'est quand même plus sport, mais c'est vraiment à avoir dans une garde-robe. Alors, Alex s'en vient avec la dernière paire. Je vais aller mettre la dernière, puis après ça, on va continuer. Oui, il m'en reste une, puis après, on continue avec les sacs à main. OK, je suis là. Puis moi, pourquoi je t'ai soufflé de même un matin? Dis-moi donc ça. Alors. On va y arriver. Je me suis pas changée, moi, par exemple, puis je t'ai soufflé. Hein? Puis moi, j'ai un tricot. Botte, look cavalière, un look aussi un peu serpent. Le talon est plat, elle est hyper confortable et je viens de voir le prix, elle est 89$, vraiment, vraiment un bon achat. Encore là, par-dessus des pantalons, des jeans, on a reçu notre repeat, ça a fait un gros hit, je vous le dis, on a 4 couleurs maintenant, les pantalons de cuirette ajustés. Peut-être qu'on va vous présenter ça vendredi dans nos couleurs, on a 4 couleurs, donc avec ça, ça serait super beau. À voir parce qu'on n'avait plus rien et on avait une petite liste d'attente. Alors voici. Je pense que je vais commencer. Ah, mais non, ta botte. Ouais, il me reste celle-là. Bon, ben non, elle s'en vient avec sa dernière botte. Après, on vous parle de sac à main. T'es prête? Oui. Je voulais montrer encore une fois avec le jeans par-dessus et roulé. C'est un repeat. En fait, c'est un repeat qu'on a eu dans le noir. On a eu ce modèle-là dans le mauve. Il nous reste quelques grandeurs à les voir en ligne. Puis là, on vient juste de les recevoir dans le noir pour le temps des fêtes. C'est vraiment un super beau look avec le talon vraiment carré, fait chic, bout carré, super belle, super beau modèle et très confortable. Je porte la 39, je t'ai soufflé, hein? Je sais pas c'est quoi mon problème. Je porte la 39, elle est parfaite, puis là, ben j'ai encore oublié le prix. Je pense que 119. Je vais aller voir okay. À la course. Là. Je crois qu'elle est 119, je crois. Elle est à 119. OK, c'est bon, elle est à 119. Fait qu'on va continuer avec nos sacs à main, je vais déposer ça. Là, les sacs à main, on a eu des années où est-ce qu'il fallait absolument la ceinture, le sac à main, la botte, la même couleur. On n'est pas là. Le sac à main, c'est un accessoire. Ça peut venir donner un punch. Les sacs à main qu'on a dans le moment, c'est des inspirations qui sont assez bonnes de des grands créateurs. Donc, c'est vraiment intéressant. Il y a des beaux modèles. Les détails sont le fun, sont bien faits. C'est vraiment, vraiment des beaux sacs avec des looks hyper intéressant. Alors, je peux peut-être commencer, il y en a tellement, je vais commencer par une petite. Ça, vous aimez toujours ça, ces pochettes-là, là. Je vous montre ça, surtout les sorties qui s'en viennent. Donc, c'est une chaîne qu'on peut porter en bandoulière, autant chic que sport. Et voyez, elle est ajustable, donc c'est nous qui décide de la longueur, si on veut la porter plus courte ou plus longue, là. C'est sûr que quand c'est sur moi, non, c'est correct, tu sais. Donc, c'est vous qui décidez. Il y a quand même pas mal de place. Là, je ne prendrai pas mon téléphone qui est en train de filmer, mais moi, j'ai le plus gros iPhone, le Pro Max, puis il rentre super bien dedans. Je l'ai testé, puis il reste de la place pour des petits rouges à lèvres, maquillage, et il y a deux petites places pour des cartes ici sur le côté. Super bien fait, pas cher. Évidemment, des tailles uniques, là, on ne vous dira pas ça. elle est à 79$. C'est des bonnes idées cadeaux aussi, mais je pense que c'est vraiment un item le fun à avoir pour toutes sortes d'occasions, même une sortie, pas besoin d'être chic, là, avec le jeans que Nad apporte, ça serait super beau aussi. Alors, autre modèle, aussi à 79$, petit format aussi, qui se porte de deux manières. Elle est toute tressée comme ça, qui est aussi une inspiration des designers. Il y a vraiment beaucoup de similitudes avec, on parle de grands créateurs comme Valentino, Prada, Gucci, name it. Alors, je vous montre l'espace qui est à l'intérieur, elle loge quand même assez bien, celle-là aussi, amplement de place pour mettre rouge à lèvres, cellulaire, les clés, quelques petits trucs. La manière que la ganse, elle est faite, elle est ajustable ici. On la passe dans le tressage qui est ici. Donc, on peut la mettre soit bandoulière ou même à la taille sur les hanches, venir la porter comme ça. Même avec un chemisier rentré. Exact. Oui. Là, on enlèverait le nœud. Tu sais, on fait disparaître le nœud. Exactement. On a la ceinture rentrée dans les gants. C'est tellement beau, là. Ça fait vraiment un look super cool. Là, je la tiens en arrière, là, mais il y a assez de trous pour pouvoir l'ajuster à la taille de tout le monde. Ça, on vous dit un petit secret, là. C'est comme une inspiration assez importante d'une sacoche qui est pas loin de 3 000$. Ouais. Fait que c'est vraiment le fun à porter. Je vais en montrer. Donc, oui. Ben, je peux peut-être présenter ceux-là qu'on a dans 3 couleurs, là. Super intéressant, un peu un look puffy, mais pas trop. Pochette à l'avant,
Donc, du rangement ici, elle rentre quand même bien en dessous du bras. Là, j'ai quand même un gros tricot, mais tu sais, on peut la porter comme ça, mais c'est vraiment plus un sac à main. Par contre, je n'ai pris une de trois. Oui, mais je veux montrer la gamme. Ah ouais, c'est ça. On l'a dans trois couleurs. Fait que c'est le fun. Et là, évidemment, ils sont bourrés, mais on a vraiment une ganse qui est large. Fait que ça fait un beau look. Là. Le sac à main a vraiment une ganse plus large. Et pochette à l'intérieur, zippée. La finition de ce sac-là est vraiment, vraiment belle. Là. C'est vraiment le fun comme style. Regardez, j'ai pas cette couleur-là dans mon kit. Puis ça fait super intéressant. Comment que Nadia est habillée? Moi, je mettrais la veste. Je vais reprendre le nom. Fais juste montrer la veste. Je l'ai montré avec débourrée avec la ganse, mais là, j'avais pas le kit. Je regardais voir si elle n'était pas tout emballée encore. Je vais faire ça vite, là. Parce que quand elle est vraiment bourrée comme ça pour tenir sur nos tablettes, c'est sûr que quand on la met sous notre bras. C'est plus gros. Ça fait plus gros. Ce qu'Alex vous montrait tout à l'heure, là, elle n'est pas. Mais si on la débrouille, je vais le faire. Là, on n'est pas à 4 secondes près, là. Et voilà. Donc, portée comme ça, elle fait vraiment un sac fourre-tout. Elle est attachée ici. Puis c'est vrai que la couleur avec mon kit, c'est très cool. C'est vraiment comme un vert kiwi. Elle est vraiment intéressante. T'as-tu dit que la pochette s'ouvrait? Oui. OK, good. T'as-tu dit le prix? Non, pas encore, c'est rendu là. Elle est à 200. Je vais revenir dans l'écran. Je parle à côté. Celle-là, elle est à 200, mais je vous le dis, quand vous les voyez, ils sont magnifiques. Vous avez vu, on a mis la verre, j'ai mis la framboise. Oui, les gens sont attirés vers les sacs à main noirs. On en a plein. On a beaucoup de sacs à main noirs, mais osez la couleur. C'est ça qui vient vous démarquer. Ça, je peux avoir un manteau gris, noir. Je peux avoir un manteau beige. Cette framboise est beige. C'est magnifique, des jeans. Donc, osez la couleur. C'est ça qui va venir vous donner un look différent des autres. Puis votre sac à main, c'est votre signature. C'est quelque chose qu'on a toujours, toujours avec nous. Donc, c'est important d'aimer notre sac à main et d'avoir un beau look. Alors, vas-y, peu importe, je vais montrer celle que j'aime bien. Ben, je les aime toutes, là. Je suis vraiment heureuse de dire que c'est celle que je préfère parce qu'ils sont vraiment toutes belles. Modèle plus plat, mais quand même, qui a une profondeur dans le fond. Alors, quand elle est remplie, vous voyez ici l'épaisseur du sac à main, elle est quand même assez logeable. Plusieurs petites pochettes à l'intérieur, elle est bien faite. Son prix est 119 $. Puis, bon, avec la chaîne, elle peut être portée plus chic, elle peut être portée sport avec une paire de jeans, un tricot, une botte. Vraiment cool avec un format. Je trouve pratique, elle n'est pas trop grosse ni trop petite. Tu l'as montré à la main, hein? Je ne l'ai pas montré à la main, c'est ça, je m'en allais faire. Si on plie, on prend les deux chaînes comme ça en même temps, on peut vraiment la porter à la main ou même sur l'épaule. Là. Il y a plusieurs manières qu'on peut la porter. Ou encore, si on la veut encore plus courte, on peut rentrer la chaîne à l'intérieur. Venez, là, je ne le ferai pas, là, venir l'attacher ensemble, puis faire sortir seulement la poignée comme ça. Bien, je vais aller dans mes bonnes idées. Ces deux modèles-là sont le fun, qui rentrent bien justement en dessous de l'épaule. Il y a de la place. Vous voyez, j'ai mon tricot qui est très grand, puis j'ai beaucoup de place. On l'a dans deux couleurs, la taupe et la bordeaux, mais c'est un bordeaux mauvais, je vous dirais. Je vous montre... la ganse. Parlant de ganse, c'est vraiment un sac qu'on peut venir modifier la ganse comme ça. Donc, on peut vraiment venir l'attacher et puis la poignée serait beaucoup plus courte et vous pouvez complètement enlever la ganse et avoir un sac que vous portez comme ça à la main pour des soirées un petit peu plus chic. Donc, vous avez de la place, ça fait super élégant et c'est très pratique. Donc, des sacs qui sont aussi modifiables, ça peut être le fun. À l'intérieur de celle-là, il y a des pochettes. Je vais essayer de vous le montrer. Là. C'est sûr, on a nos bourreux. Mais il y a un zip à l'intérieur. Il y a les poches ici de l'autre côté. Donc, il y a quand même pas mal de place. C'est un sac à main qui est beau, quand même plat. Tu sais, il vient chercher de la longueur comme ça. Mais vous pouvez quand même loger pas mal de choses à l'intérieur de ça. C'est des grandeurs qui fitent sur tout le monde aussi dans ces formats-là. C'est pas trop, trop gros. Tandis qu'un sac comme ça, des fois, il faut faire attention, pas être trop petite avec le gros sac. Ça peut faire bizarre, à moins de s'en servir comme fourre-tout. Modèle que j'aime énormément. Je l'approche pour vous montrer la texture, le détail qu'ils ont fait dans les coutures, en fait, pour y donner son style. Elle vient aussi avec une ganse plus longue, donc on peut la mettre sur l'épaule, on peut la mettre en bandoulière si on veut, voyagement. Ça peut être pratique. Très, très logeable. Petite pochette à l'intérieur aussi. Et elle est à 139 $. Ah, j'ai pas dit mon prix de l'autre. Ah, bon, mais tu veux.
revient avec le prix. Oui, celle que je viens de vous présenter, elle est à 139 $ dans le taupe et cette couleur-là. Je pense que je vais en présenter, Nad, pour pas qu'on s'étire trop. On peut peut-être vous les montrer plus rapidement. Oui. Là. Vous pouvez les voir online. Si vous avez des questions, je pense pas que les photos sont à l'intérieur. Vous pouvez pas voir l'intérieur des sacs sur notre site, mais vous pouvez nous poser les questions. Ça va nous faire plaisir de répondre. Alors, deux pochettes, une fermeture. La même chose pour la chaîne. Donc, on peut l'enlever pour porter notre sac à la main comme ça. Vraiment intéressant à regarder aussi le motif. Je les trouve élégantes. Je trouve qu'on est rendu là, tu sais, d'avoir un beau sac, ça fait le fun. Elle est à 119 $. Vraiment, vraiment le fun. À la limite, vous pouvez même, des fois, sur d'autres sacs, vous avez des chaînes, vous pouvez les échanger. Ça peut être intéressant aussi. Un peu dans le même ordre d'idée, Alex, viens présenter. Je vais monter celle-là qui est quand même trop. Ah, parfait. Bien, on est un petit peu dans le même ordre d'idée, un petit peu plus petite, celle-là. Regardez le détail, encore une fois. Alors, à l'intérieur... On a quand même une autre chaîne qu'on peut porter d'abord en bandoulière. Donc, ça peut être vraiment un sac en bandoulière. Elle est à 99 $. Et puis, elle a une petite pochette aussi à l'intérieur. Ça peut être un sac de soirée hyper, hyper chic, hyper stylé. Donc, vraiment intéressant aussi. Celle-là qui est quand même originale et qui a des accessoires qui viennent avec. Elle est dans le mauve. Vraiment le fun. La ceinture en tissu comme ça, qui donne un look le fun. Là, j'aurais dû mettre la bande de l'autre côté pour avoir le petit sac devant moi. Mais vous comprendrez, je vais la mettre à l'envers pour les besoins de la cause. Vous comprendrez que ça fait un petit porte-monnaie comme ça, qu'on peut attacher après la ganse ou après le sac à main, qui est quand même le fun, pratique. Puis elle vient aussi avec la chaîne pour faire une allure plus chic, qu'on peut mettre ou pas le porte-monnaie et on enlèverait la plus longue ganse, évidemment. Je vous dis le prix, elle est à 99 $. Et le mauve, ça s'agence tellement facilement avec tout. Des fois, les gens sont bloqués, puis pas du tout. Là, c'est vraiment, vraiment très facile à agencer un sac à main mauve. Celle-ci, 139 $, elle a vraiment deux tons, fermeture éclair noir également. Donc, sac à main, vous avez la ganse aussi pour le porter à l'épaule. C'est un plus gros sac, vous pouvez le faire en fourre-tout, sac d'ordinateur ou sac à main, tout dépendant de vos besoins. Pochette à l'intérieur également avec fermeture éclair. Vraiment un super beau sac, je l'ai dit, est à 139 $. As-tu l'autre couleur? Non, on n'a plus l'autre couleur, mais on va le recevoir. On l'a également en beige plus pâle qu'on va avoir aujourd'hui, je crois. Okay. Donc, ça va être un autre couleur, juste un beige plus pâle. Je vous montre celle-là rapidement. Regardez à l'écran. Ah, les gars, je vais me débarrasser. Elle est à 200 $. Elle est magnifique. Regardez la brillance de ce sac-là. Elle est tellement belle avec les chaînes. Donc, ça aussi, vous pouvez jouer avec vos chaînes pour des poignées. À l'intérieur, les pochettes également. Et vous avez la courroie pour faire un sac bandoulière également. On a vraiment des beaux sacs. Là. On pourrait vous faire un live d'à peu près une heure ce matin. Alors, on vous quitte là-dessus. Je vous souhaite une super belle semaine. On se voit vendredi matin pour nos total looks du vendredi. Et puis, d'ici là, salut tout le monde. Si vous avez des questions, 09.com, Messenger, vous pouvez nous appeler. On est là pour vous. Bye! Bye.